bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Christophe Alévèque, Isabelle Alonso, Roger Zabel, Pierre Bénichou, Christine Bravo et Perry Cochin. Encore avec un nouvel... Alors, c'est quoi ce nouvel éventail encore? Ben, c'est ma collègue d'éventail. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh oui, dites, j'avais oublié. Tu sais que c'est la première fois que je reviens... Vous me marquez tellement, j'ai l'impression que je vous vois tous les jours. J'étais à la Réunion. C'est pas vrai. Et je dois dire... Une réunion de colocataires, une réunion de quoi? Non, j'étais à la Réunion, à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. J'arrive à la Réunion, alors au bout du monde, tu vois. Je vais pas à l'île Maurice parce que pour avoir les paparazzis qui tapent bien les bourrelets. Ouais. Quoique vous, quand vous êtes à la Réunion, il y a encore des morceaux à l'île Maurice. Hein. N'importe quoi. Je brave. Bravo Ruquier. Donc, je peux finir la phrase. Je brave le chikungunya. Alors que je me suis fait piquer par des moustiques. Et je tombe sur qui? Sur notre directeur général, à la table d'à côté. Ah, alors je l'ai invité pour le réveillon du jour de l'an. Et j'ai donc passé le réveillon du jour de l'an avec monsieur Bodillon. Coucou! Non, je vais vous dire. Si vous pensez un seul instant qu'après avoir passé 8 jours avec vous à la réunion, ils vous regardent encore en plus à la télévision, faut pas rêver. Hein. Et vous, Pierre Bénichou, qu'avez-vous fait de vos vacances? J'étais à la Réunion aussi. Mais vous aviez mis un masque pour pas qu'elle vous reconnaisse. Non, j'étais avec la directrice générale d'une autre chaîne. Je vous ai vu sur une autre chaîne cette semaine en train de parler d'Elikaku dans une émission sur France 3 qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Oui, en général, les émissions où je passe fonctionnent très bien. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec les promesses du gouvernement faites aux sans-abri du canal Saint-Martin avec ce que je trouve être le meilleur dessin de la semaine, signé Pétillon dans le canard enchaîné. Alors évidemment, en grand, il est encore mieux. Là, on est obligé de le réduire un peu pour la télévision. Mais regardez, sans-abri, les promesses du gouvernement. On voit les tentes qui s'enfilent, si j'ose dire. On voit les tentes de SDF les unes derrière les autres. Et il y a un type qui, d'une tante, dit « J'ai des doutes, fais passer. » Il est génial, ce dessin. À la une de Charlie Hebdo, le dessinateur Rhys revient, lui, sur le triste fait divers qui a marqué tous les esprits cette semaine. Un détenu dévore le cœur de son compagnon de cellule et on voit Chirac et Sarkozy. Encore dans Charlie Hebdo, Schwartz nous propose une solution contre, justement, la surpopulation carcérale. On voit un gardien qui passe et qui, à travers la porte de la cellule, dit aux détenus « Bouffez-vous les uns les autres !» Pourquoi vous riez? Ah bah parce que c'est drôle. C'est la première qu'elle comprend. En fait. Dites donc, si vous étiez en prison, vous, il serait content. Oh, écoute, arrête. Ça suffit maintenant. Il serait content, vos compagnons. Tu m'énerves. Il y a à manger pour un mois. J'en ai marre. Non. Bonne année, Christine. Allez, on reste dans les faits divers avec Samy Nasseri, à nouveau en délicatesse, vous le savez, avec la justice. Et dans Charlie Hebdo, le dessinateur Charb nous annonce que l'acteur sera bientôt à l'affiche d'un nouveau film, Taxi 4, moi ferme. Luce, toujours dans Charlie, nous annonce à sa façon que dimanche prochain, Nicolas Sarkozy sera choisi comme candidat par les militants UMP, Minimoy premier investi par l'UMP. C'est un carton au box-office, d'ailleurs, ce film de Luc Besson. Christophe, vos enfants y sont allés? Non, nous n'étions pas là. Et de toute façon, vous étiez je ne où, pas... voilà. J'étais à Cuba. À Cuba? Et alors, j'étais... Cuba? C'est vrai qu'il y a une épidémie de Castro en ce moment. On passe à une explication donnée par le dessinateur Grosse dans Marianne. Regardez, Ségolène en Chine. Bah oui, ils ont délocalisé même Ségolène Royal. Le voyage de Ségolène Royal en Chine, encore dans l'humanité, vu par Luz cette fois. La Chine soutient Ségolène, on la voit entourée de militaires qui disent « Nous aussi, on est pour un encadrement militaire ».
sur le même sujet, toujours Rhys dans Charlie Hebdo et Ségolène en Chine. Ici, on mange du chien, dit le Chinois. Lui répond, chez nous, on mange des éléphants. Le dessinateur Potus dans Le Canard enchaîné semble lui aussi avoir apprécié le néologisme ségolien. On voit la fameuse bravitude prononcée par Ségolène à la télévision et devant son écran, Jean-Pierre Raffarin qui dit « Ben, c'est de la copiance !» Ouais. C'est vrai qu'on oublie, parce qu'ils se sont beaucoup moqués à droite, évidemment, de la bravitude de Ségolène Royal, peut-être à juste raison, mais on oublie les fameuses raffarinades du Premier ministre il y a quelques mois, finalement. Alors, est-ce qu'elle l'a inventé, cette bravitude, ou est-ce que... Mais bien sûr, ça ne s'appelle pas, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas du tout, comme vous dites, une petite faute, ça s'appelle un barbarisme. Oh, c'est un barbarisme, oui, un mot qui n'existe pas dans un thème latin, non, ça s'appelle... Il se trouve que ça existe dans les jeux vidéo. On dit que les héros des jeux vidéo font preuve de bravitude. Dans Lara Croft, il paraît. Tous ceux qui ont en vidéo le jeu Lara Croft, il paraît qu'on prononce le mot bravitude. Donc elle a été top dans la branchitude, Ségolène. On termine avec quelques dessins du chat et de Philippe Geluck dans VSD. Le chat qui nous dit le plus court chemin d'un point à un autre, c'est d'y envoyer quelqu'un à sa place. Et aussi... C'est quand j'étais petit que je vivais chez l'habitant. Et par chance, ce sont mes parents qui habitaient là. Après l'ouverture de son antenne américaine à Atlanta, le musée du Louvre pourrait bien prêter une partie de ses œuvres à une nouvelle succursale, appelons ça comme ça, qui verrait le jour à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la construction d'un complexe touristico-culturel incluant, vous n'allez pas y croire, mais c'est vrai, une marina, des hôtels de luxe, des terrains de golf, mais aussi une cité des arts avec un opéra, des salles de spectacle, ainsi que 4 musées, parmi lesquels donc... Le Louvre, en tout cas une succursale du Louvre qui porterait donc le nom de Louvre. Paris défend activement ce projet de création, mais certaines voix commencent à s'élever contre la vente du patrimoine français. Une pétition a même été signée, elle commence à circuler. On va accueillir l'instigateur de cette pétition. Il est fondateur et rédacteur en chef d'un magazine sur Internet qui s'appelle La Tribune de l'Art. Il est contre cette idée qu'il y ait plusieurs Louvres à travers le monde et surtout que nos œuvres d'art voyagent un peu partout comme ça. Moyennant finance, évidemment, mais on va en parler avec lui tout de suite. Voici monsieur Didier Rickner. Bonjour, bienvenue. C'était d'ailleurs à la une du journal Libération, hein, qui a carrément ouvert avec ça le week-end dernier. Faut-il cloner le Louvre? Alors, j'ignorais moi-même qu'il y avait déjà un Louvre bis à Atlanta. Mais alors, évidemment, un autre problème se pose, c'est le prêt des œuvres d'art moyennant finance. Tout à fait. En fait, je ne suis pas, les signataires ne sont pas contre le prêt des œuvres d'art un peu partout dans le monde, c'est normal, ça s'est toujours fait. Ça se fait tout le temps, pour les grandes expositions par exemple. Tout à fait, des grandes expositions, ça se fait toujours. Le problème, c'est que là, on demande beaucoup d'argent, on va donner beaucoup d'argent pour prêter des œuvres. Ce qui veut dire, par exemple, que les petits musées, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, eux, bientôt, ils n'auront plus pas assez d'argent pour pouvoir emprunter les œuvres. Ce qui veut dire aussi, c'est que quand les touristes viennent à Paris, quand les touristes français ou étrangers viennent à Paris, ils ne pourront plus voir certaines œuvres qui seront prêtées pour un certain temps dans un endroit qui a 700 000 habitants et qui, en fait, fait cela pour faire venir des touristes, ce qui est son droit. Ce n'est pas le problème. Là, les musées français sont réquisitionnés parce que tout se passe au niveau des ministères et pas du tout au niveau des conservateurs et directeurs des musées qui n'étaient pas au courant jusqu'à ce que le Monde publie le projet de manière un peu plus développée. Tout se passe derrière les spécialistes et les conservateurs et c'est les hommes politiques qui décident de ça pour, on le sait bien, non seulement de l'argent mais également il y a beaucoup de contrats derrière. Christine, moi j'ai un Armand à prêter. C'est très bien, Armand, en plus. Non, mais je veux dire, pourquoi... Est-ce qu'on vous peut dites... faire n'importe quoi pour de l'argent? Posez-vous la question. Écoutez, non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. Chacun son tour, merci. Christine, d'abord. Alors, c'est pas n'importe quoi. Le Louvre, donc, a prêté au musée d'Atlanta, ça a rapporté entre 5 et 10 millions d'euros au Louvre. Tant mieux. Après, 1 milliard d'euros pour acheter la marque Louvre, on gagnerait ça, les Émirats nous donneraient ça. Tant mieux. Avec ça, on va pouvoir acheter des œuvres d'art. Avec ça, on va pouvoir faire voyager encore davantage. Moi, je suis pour que les œuvres voyagent. Quand vous dites qu'on les prête gratuitement, c'est complètement utopique, puisque le déplacement d'une œuvre d'art, ça coûte de l'argent. Il faut l'assurer. Il faut l'empaqueter convenablement. C'est très cher, tout ça. Alors, qui va payer ça? S'il n'y a pas assez d'argent, on pourrait très bien vendre des tableaux. On pourrait vendre la Joconde. Il y en a certains qui pensent. Hein. Donc, ça rapporterait beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faudrait le faire? Est-ce qu'il faudrait le faire? Il n'est pas là, c'est dommage. Est-ce qu'il faudrait le faire?
Puisque ça rapporte de l'argent. Qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a rien à voir. Vous mélangez, c'est un patrimoine qui est prêté contre de l'argent. On utilise ce patrimoine. Alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on paye une entrée au Louvre? Faudrait que ce soit gratuit. Dans ces cas-là, on exploite ces œuvres d'art. Réponse. Le Louvre est en partie gratuit, par exemple, pour les chômeurs. Les chômeurs peuvent rentrer gratuitement, ce n'est pas eux qui vont pouvoir se payer. Encore une fois, je ne suis pas, et nous ne sommes pas contre les prêts d'œuvres d'art. Je crois qu'on confond plusieurs choses. Nous sommes simplement sur une question de principe, on ne peut pas faire n'importe quoi pour de l'argent. Maintenant, vous pouvez penser le contraire. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens c'est quoi, qui... C'est quoi? C'est parce que c'est un problème éthique. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Non, 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 non. Arrêtons. Alors attention, on va ouvrir le débat. Je vois que j'ai au moins un soutien. Alors Christophe et puis après Pierre Bénichoux. Voilà, là, c'est même pas une question de principe ou de morale. On touche, je pense, aux limites de la mondialisation et de la marchandisation totale. C'est-à-dire que, après, en imaginant, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, plus on prête, d'abord on devrait prêter gratuitement, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis après, mais on ne devrait pas faire payer. D'abord, pourquoi faire payer ces œuvres-là? D'abord, comment les coter? Parce que l'étape suivante, ça va être donc le Louvre coté en bourse. Évidemment, parce que ça va avoir une valeur marchande énorme. Ensuite, en janvier, il va y avoir la période des soldes. Et alors? Et alors? Eh ben non, mais je trouve ça, c'est nul. C'est normal qu'un musée s'enrichisse. Je trouve ça, mais c'est normal qu'un musée achète des œuvres et qu'il en vende. C'est quelque chose de vivant. Les œuvres d'art nous appartiennent à nous. Mais non, pas du tout, elles appartiennent à nous. Alors si les œuvres d'art, c'est le patrimoine national. Si les œuvres d'art ne nous appartiennent pas à nous, pourquoi? C'est l'État tout seul qui décide. Mais parce qu'il va pas venir te demander à toi et à moi et à lui s'il prête pendant 3 mois. Si ça ne lui appartient pas, pourquoi il décide? Expliquez-moi pourquoi tout cela et toutes les opérations précédentes ont été faites dans le plus grand secret. Expliquez-moi pourquoi expliquez-moi ça. Dans le plus grand secret. Je vous assure que si. Je vous assure que si. Quand vous interrogez, d'ailleurs, c'est toujours le cas. J'ai été depuis ces derniers jours interrogé par beaucoup de journalistes d'une manière complètement inattendue parce que je ne pensais pas me retrouver aujourd'hui ici. Et donc, je suis interrogé par tout le monde et plusieurs journalistes m'ont dit on n'a aucune information. Ils ne répondent pas. Aujourd'hui, dans le monde daté d'aujourd'hui, sort le projet d'une manière un peu plus détaillée. Je pense que c'est en partie parce que on a fait cette pétition. Je pense que le débat mérite d'être posé. Je pense que c'est antidémocratique. On a entendu hier, avant-hier à la radio, un directeur d'un grand musée s'expliquer, dire que c'était formidable, mais dire aussi qu'il ne connaissait pas bien le projet parce qu'il ne l'avait pas vu. Est-ce que c'est normal que les professionnels ne soient pas du tout consultés? Pierre Bénichoux. Je ne voudrais pas prendre la place de mon ami Gérard Miller ici et interpréter psychanalytiquement vos paroles. Mais vous avez eu un lapsus pour commencer et vous avez dit on a prêté beaucoup de tableaux du Louvre et on a dû donner une grosse somme d'argent. Non, on a dû recevoir une grosse somme d'argent. Je pensais donner, mais d'accord. Oui, c'est ça. Bon, on a dû recevoir une grosse somme d'argent. Oui. Or, cette grosse somme d'argent, le fait qu'on la reçoive, M. Lévesque est un révolutionnaire bien connu, il trouve que c'est honteux, mais je pense quand... La Joconde n'est pas une pute, Pierre. Donc aujourd'hui, nous avons... le budget de la culture n'est pas assez élevé et on est très heureux de recevoir cet argent. Alors, vous vous dites non parce que le marchandisation. Eh bien, moi, je crois que je suis contre la mondialisation, mais je crois que là où elle est formidable, c'est justement là-dedans. C'est que les œuvres d'art puissent circuler. Et on vous a reproché de vous être focalisé sur Abu Dhabi, parce que c'est un pays arabe. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. C'est tout à fait faux. Attendez, je tiens à répondre à cela, parce qu'on pourrait parler également du Louvre à Lens. Je n'ai rien contre les Lensois. S'il y a des Lensois dans la salle, je pourrais parler du Louvre à Lens. On pourrait en parler. Ce n'est pas une bonne idée non plus. On est dans la fin. Mais montrer au plus grand nombre, c'est bien. Attendez, si en plus, ça rapporte. Attendez, vous n'avez pas montré. Écoutez, alors soyons sérieux. Montrer au plus grand nombre, quand on envoie dans un pays, et là je parle d'Abu Dhabi, qui a 700 000 habitants, et qui n'a pas de touristes actuellement parce qu'il n'a pas d'œuvre. Donc là, on est en train. Mais ça circule là-bas. Ça peut circuler. Il y a plus de touristes. Je vais défendre monsieur. Il y a plus de touristes qui peuvent venir voir l'œuvre au Louvre qu'aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Mais bien entendu, mais on ne prive pas le Louvre de cette œuvre. On l'enlève pendant un temps donné et on donne la chance pour une fois que les pays arabes qui ont du pognon, on passe notre temps à leur cracher dessus en disant qu'ils claquent leur blé bêtement sur des conneries, pour une fois qu'ils veulent s'intellectualiser et mettre de la culture à la portée des gens là-bas. Je vous signale juste une chose. Il est très bien que les pays arabes s'intéressent à l'art occidental. Savez-vous que dans le projet tel qu'il vient de sortir, enfin des éléments viennent de sortir, Abu Dhabi pourra refuser certaines œuvres pour des motifs qui seraient... Mais il ne peut pas refuser certaines œuvres pour des motifs déraisonnables. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un motif raisonnable? Vous avez étudié,
tableaux religieux. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un motif ça raisonnable? Ça veut dire que l'origine du monde, ils ne le prendront pas. C'est ça que ça veut dire. Alors, et alors... je ne parle pas de l'origine du monde. Excusez-moi, c'est qu'un motif raisonnable. Un motif raisonnable. Pour vous voiler la Joconde. Isabelle Alonso. Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, le débat paraît un petit peu comme ça, bizarre, parce qu'on ne comprend pas bien où est l'enjeu. Il se trouve que nous sommes en France, un pays qui a peu de ressources naturelles, mais un énorme patrimoine culturel. D'un autre côté, on entend sans arrêt le ministère de la Culture, les musées, les conservateurs dire qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez d'argent. Ensuite, je crois savoir que 90% du patrimoine culturel de ce pays est dans des entrepôts et qu'il y en a finalement une minorité qui est exposée. Donc, toutes ces raisons-là me portent à penser que la mondialisation n'a pas que des mauvais côtés et qu'il est peut-être positif pour le patrimoine culturel français de devenir le patrimoine culturel de l'humanité, d'échanger ce que nous avons, d'échanger aussi avec ceux qui ont des choses à nous apporter et de faire en sorte que le marché de l'art devienne quelque gratuitement. Mais pourquoi gratuitement? Mais comment, monsieur, il se trouve vous voulez faire payer nos deux dieux? Mais nous avons cette chose. Attends, c'est le même débat. Il y a un trou à la sécurité sociale. Qu'est-ce que tu fais? Tu privatises la santé? Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est exactement pareil. Mais non, c'est pas du tout pareil. Tu vas où? On peut pas vendre les malades. Qu'est-ce que vous répondez d'abord à un point important qui est abordé, Isabelle, sur les œuvres qui effectivement sont entreposées en sous-sol? On parle beaucoup des réserves du Louvre. C'est un mythe complet que je connais bien les collections du Louvre. C'est un peu mon métier. Je connais bien les collections du Louvre. En peinture, vous avez très peu de choses exposables. Vous en avez quelques grandes toiles que personne ne voudra parce que c'est très intéressant pour les spécialistes, mais c'est pas forcément intéressant pour le public. Quoi qu'il faudra les exposer. En sculpture, c'est pareil. C'est-à-dire que votre position est intenable. La position est intenable parce que vous avez d'un côté d'un conservatisme politique terrible en disant mais quoi, on ne touche pas à nos chefs-d'œuvre, et de l'autre côté, vous êtes à l'extrême gauche, si on peut dire, en disant l'argent, l'argent, quelle horreur, quelle horreur. Mais on ne peut pas être les deux. Peut pas être les deux. Où on dit, où on est contre l'argent, et à ce moment-là, on dit mondialisation, on donne partout la culture française, on est isolationniste comme vous l'êtes, en disant on ferme nos frontières. C'est pas possible d'être les deux, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Il n'y a rien d'isolationniste dans ce que monsieur a dit, mais tu fais semblant de ne pas comprendre Ce sera le mot de la fin, et on peut prêter Didier Rickner pour pas cher à d'autres émissions. Merci à vous. Accueillons maintenant Madame Christiane Taubira, la députée radicale de Guyane, ancienne candidate, vous le savez, aux élections présidentielles de 2002 et instigatrice de la loi du 10 mai 2001 qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. En juillet dernier, Madame Taubira avait annoncé son intention de se lancer dans la course à l'Élysée. D'ailleurs, elle était venue sur notre plateau pour nous en parler. Mais finalement, son parti, le Parti radical de gauche, a finalement décidé qu'il ne présenterait pas de candidat suite à un accord avec le Parti socialiste et donc Ségolène Royal. L'élue guyanaise compte néanmoins participer évidemment au débat démocratique et nous fixe rendez-vous avec la République, c'est le titre de son livre, publié aux éditions de La Découverte. Voici Madame Christiane Taubira. Bonsoir Madame. Bienvenue. Je ne veux pas d'office vous mettre dans l'embarras, Madame Christiane Taubira, mais je remarque qu'à chaque fois que vous venez sur ce plateau, Pierre Bénichoux y est aussi. Et je me demande si finalement il n'y aurait pas quelque chose entre vous. Nous prenons rendez-vous. C'est fou ça, hein? Subrepticement. Ne dites pas ça, j'aimerais tant que ce soit vrai. Alors, sauf qu'évidemment, est-ce que c'est une déception pour vous de ne pas être candidate? Je ne le poserai pas en termes de déception parce que ça n'est pas un combat personnel, même s'il y a un investissement personnel très fort, mais parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'idées qui doivent être dans la campagne, qui doivent être exprimées. Et est-ce que ces idées seront exprimées quand même? Ah si, je la ramènerai de toute façon. Hein. Oui. Bon, alors, bien sûr. Qui vous a un peu forcé la main? Alors, c'est M. Bélier? Pourquoi? Pour ne pas être candidate? Voilà, pour ne pas être candidate. Mais je suis loyale à ce parti. Est-ce que Bernard Tapie est pour quelque chose? Non, il y a eu un vote, il y a eu un congrès qui a duré deux jours, et il y a eu un vote qui, pour la majorité, a choisi le ralliement au candidat du PS. Donc, non, on ne m'a pas empêchée. Moi, j'ai défendu ma position à la tribune. J'ai souhaité qu'on aille jusqu'au vote, justement.
Donc, je suis loyale au parti, mais je n'ai pas renoncé à mes idées parce que je suis encore plus loyale à la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ceux qui sont en difficulté dans la société. Et au moins, c'est une femme derrière qui vous retrouvez et à qui vous êtes ralliée. Alors, je ne serai pas derrière, mais je serai peut-être à côté. Pierre Bénichoux. Vous êtes le porte-drapeau d'une certaine négritude, mais vous ne voulez pas ça. Vous dites, c'est pas du tout communautariste, c'est rien du tout. Il se trouve que je défends les Noirs de ma région, de mon département. Mais c'est pas du tout pour ça que je veux être bon. Tout ça est très, très compliqué, très difficile, mais quand on le lit, c'est... Vous dites que je suis pour la négritude, mais en même temps, je suis contre les Noirs, etc. Le monde n'est pas fait comme ça, heureusement. La négritude, monsieur, est un humanisme. C'est-à-dire que c'est une façon de dire qu'on refuse que des gens soient rejetés, exclus, marginalisés du simple fait de leur apparence, du simple fait de leur couleur. Et les combats pour la négritude ont été des combats de liberté, des combats d'égalité, des combats de fraternité, monsieur Bénichoux, et ils ont permis à d'autres causes d'avancer. Donc il n'y a aucun paradoxe, ni aucune contradiction au fait de s'assumer tel qu'on est. Moi, je suis ce que je suis et j'en suis fière. Je suis d'Amazonie. Je suis noire parce que dans ce pays, on dit que les gens sont noirs ou qu'ils sont blancs. Mais moi, je vois toutes les couleurs dans mon propre pays. Et même autour de cette table, je vois toutes sortes de couleurs. Donc, je n'ai aucun problème avec ça, je l'assume. Et j'en suis même fière, parce que je porte en moi, notamment, la rencontre des cultures et la rencontre des peuples. J'applaudis à votre Mais gravitude. Mais je ne m'enferme pas, ça. Je ne m'enferme pas dans cela. J'applaudis à votre gravitude, Mme Taubira. Isabelle Alonso. Alors, j'aime beaucoup ce livre parce que progresser dans votre livre, c'est comme marcher à travers la jungle avec une machette. C'est-à-dire que rien n'est facile, rien n'est simple. Vous avez un style qui n'est pas du tout le style d'un livre politique. C'est un style extrêmement littéraire, poétique, flamboyant, rutilant. J'adore. Je vais vous donner une première phrase pour donner le ton du vocabulaire employé. Au prix de tous les affrontements qu'il serait déraisonnable d'éviter, quitte à subir les objurgations de ceux qui croient que la paix est calme, et pourvu simplement que ma conscience soit repue d'une joviale probité. Oui, alors là, permettez-moi d'intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire objurgation? On peut demander dans le public que veut dire objurgation. On est obligé de lire ce livre. Je suis désolé de vous le dire, madame. Pourquoi n'avez-vous pas écrit dans le style où vous nous avez parlé de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible? Ce livre s'adresse à une élite, madame. Oui. Objurgation, on est obligé de prendre un dictionnaire pour aller voir ce que ça veut dire. Pardon de vous dire qu'il y a derrière cette affirmation un mépris que je ne supporte pas et que je n'accepte pas. D'abord parce que, monsieur, je suis ravie lorsque j'utilise un mot et que les gens sont obligés d'aller le connaître en plus. J'en suis satisfaite. Oui, oui, absolument. Je sais. Parce que je ne crois pas que les gens doivent... Vous l'avez dit. Quand je m'exprime, je veux qu'on apprenne des mots nouveaux. Je ne flatte pas les médias. Et tant pis si on me traite d'arrogante. Si on me traite, pas si j'apparais arrogante. Si on me traite d'arrogante, monsieur, c'est une nuance importante. Chaque mot est très important. Voilà, parce que les mots sont précis. Il y a trop d'adverbes. Parce que les mots sont précis. À chacun son style, madame Bravo, vous pouvez ne pas aimer. Mais je trouve que les adverbes. Les mots sont précis. Le respect que j'ai pour les gens, lorsque je m'adresse à eux, est d'essayer d'être clair dans ce que je dis. Et si dans la parole que j'exprime là, il y avait une nécessité de dire objurgation, je m'en serais servi. Et si quelqu'un m'avait dit d'expliquer, j'aurais expliqué. Alors vous serez contente le jour où on lira dans l'équipe et Raymond Domenech asséna quelques objurgations à ses joueurs, par exemple. Non, parce qu'en fait, je ne crois pas qu'il fasse des objurgations. Christine. J'ai parlé de la petite fille, Christiane Taubira, cette petite fille qui est fabuleuse dans ce livre. Elle sautille entre les pages et on la voit bien. C'est dans les toutes premières pages. Et elle parle de maman Bertille. Et moi, je me suis vraiment attachée à cette maman Bertille, qui est une dame qui va acheter une encyclopédie en 16 volumes et qui va mettre un an à la payer à tempérament. Ben, elle est amortie aujourd'hui. Hein. Elle est amortie. C'est peut-être grâce à maman Bertille que vous parlez Absolument, comme ça. Absolument, profondément. Et alors, il y a des choses très touchantes. Sa maman va mourir parce qu'elle est atteinte d'un cancer et ça va très vite. Et elle dit, toute la journée, je priais Dieu. Je le suppliais de nous laisser maman. Je lui promettais tout ce qui serait susceptible de lui plaire. Et alors, ne plus porter de mini-jupe, ne plus rire aux éclats, cesser définitivement toutes mes irrévérences, ne plus faire l'intéressante en séance de gym, aller au cours les jours de règles douloureuses. Et là, on la voit et on est loin de la femme politique. Et voilà, et c'est mignon. Voilà. Pour vous dire quelque chose, moi, ce qui m'a ému le plus dans votre livre,
L'histoire de votre maman est évidemment bouleversante. C'est l'histoire de ce frère. De votre frère qui, alors que vous proposez d'aider, d'aller travailler pour aider, dit non, tu vas faire des études. Et vous faites des études. Et ça, c'est formidable. Moi qui viens d'un pays, enfin d'Algérie, ou justement aussi d'une famille comme ça, et mon père avait empêché sa sœur d'aller travailler, il lui a fait passer son bac, il lui a fait son propre. Ma tante, elle n'avait pas trouvé dans l'encyclopédie qu'avait acheté ma grand-mère aussi le mot cuistrerie. Parce que je trouve que, vous savez, vous connaissez le mot cuistrerie, c'est-à-dire d'en étaler beaucoup avec des grands mots. Je trouve qu'on doit s'interdire. Le bien écrire, ce n'est pas des idées simples avec des grands mots, c'est de grandes idées avec des mots de tous les jours. Et ça, bien que je vous sois amoureux de vous, plus en turquoise qu'en jaune, eh bien, je vous le dis quand même, je ne suis pas d'accord avec ce que dit la demoiselle. Voilà. Alors voilà, ça, c'est une question de vocabulaire choisi. On en revient là. En l'occurrence, la cuistrerie est proprement masculine, là. Oui. Ça serait plutôt de la muflerie, moi, de ma part. De vous traiter vous le cuistre. Vous voyez que les mots sont aussi. Moi, je préfère une paire de cuistres qu'une paire de muscles. Juste une petite phrase. Quand Christiane dit « Je veux cultiver ma rage et mon indocilité », tu comprends? Quand elle dit « Je veux être une citoyenne sentinelle », tu comprends? Ouais. C'est pas compliqué. Je dis pas qu'on comprend. Mais quand elle dit, elle nous entraînait à percer la rationalité équivoque des brutalités endogames. Eh ben. Oui, mais il y a ce qu'il y a avant. Ne dites pas que vous n'avez pas compris le contenu. Mais que si, je l'ai compris, mais je dis que tout le monde ne peut pas comprendre. Pourquoi? Personne ne sait ce que c'est qu'endogame. Ben oui, plein de gens ne savent pas ce que c'est qu'endogame. C'est parce que c'est la rationalité. Lorsqu'on reste entre soi, qu'on se marie entre soi. Mais c'est un mot compliqué. Et c'est une société. Ben c'est un mot qu'il faudra utiliser de plus en plus. Parce polygame, que bigame et endogame. C'est une société de repli sur soi, la société française. Et beaucoup de difficultés dans cette société viennent du fait qu'elle est endogame. Alors, non pas au sens où les gens se marient entre eux, mais au sens où les gens restent entre eux. Oui, au sens où il y a des corporations, où il y a des groupes. Alors, il faudra apprendre de plus en plus à utiliser le mot endogame, justement. Christophe Alévèque, pour terminer. Écoutez, moi, plus je vous entends, plus je regrette que vous vous présentiez pas au présidentiel parce qu'il y aurait une ambiance phénoménale. Déjà, comment elle a mouché le Zabel et le Bénichou, déjà, là. Et Bibi. Et toi aussi. Alors, moi, donc, je suis... Cordialement. Oui, c'est vrai, plus cordialement. Lui, avec un peu d'animosité. Il a créé depuis quelque temps un contentieux. Mais il mérite aussi, il mérite. Oui, je n'ai jamais eu de contentieux, d'ailleurs, vous pouvez vérifier. Y compris content suisse, non. Et pour en revenir au livre compliqué, personnellement, je n'ai pas trouvé le livre compliqué. Et si on met le même raisonnement du livre, si on la met, par exemple, à l'émission de télé qu'on est en train de faire, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Si on raisonne par rapport au moins éduqué ou au plus con, quelle émission on va faire? On va faire une émission totalement... je ne dis pas que c'est une émission haut de gamme. Ah, hein. Si. C'est ce que tu es en train de dire. Excuse-moi, c'est une émission haut de gamme, par exemple, c'est pas parce qu'on s'amuse. Non, mais par exemple, oui, non, mais moi je dois dire aussi, effectivement, oui, bon, c'est une émission très impertinente. C'est pas une émission haut de gamme. Attendez, mais qui élève les gens. Là, pour l'instant, c'est mes 3 minutes, là. Donc, alors, merde. Il y a tout le temps une pie pour couper. Alors, si on raisonne comme ça, donc, le débat qu'on a même actuellement sur le livre, on ne peut même pas l'avoir. Puisque, de toute façon, le débat lui-même est compliqué. Donc, je trouve que c'est faire un faux procès de parler de ça. Et puis, si on peut apprendre 4 mots en lisant un bouquin, tant mieux, on n'est pas obligé d'écrire un bouquin avec 200 mots. Voilà, alors, ça part à la gueule. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein. J'ai pas envie de me faire moucher. Alors, ce qui peut être bagarre. Ah bah non, mais surtout, non, mais attends, tu rigoles, surtout pas une femme. Écoutez, on aura peut-être donné envie à nos téléspectateurs de lire Rendez-vous avec la République. C'est aux éditions La Découverte. Effectivement, ça coûte seulement 13,50 €. Et on peut vous avoir des prix pour les dictionnaires si vraiment vous voulez acheter ce livre. Merci, Madame Taubira. Au terme d'une longue bataille judiciaire, les chanteurs et compositeurs bien connus du grand public, Didier Barbelivien et Gilbert Montagnier, ont enfin eu gain de cause dans le procès qui les opposait au fameux restaurant dont je n'ai normalement pas le droit de citer le nom, mais disons que ça commence par F et que ça finit par lunch. Voilà. Et à l'origine du différend, eh bien, il y avait cette fameuse réutilisation et la transformation de la célèbre chanson « On va s'aimer ». Malgré les 10 ans de procédure, 10 ans de procédure, 10 ans en justice, Didier Barbelivien et Gilbert Montagnier n'ont jamais
jamais flanché. Et ils ont bien fait puisqu'ils ont enfin gagné. Pour en parler ensemble, accueillons tout de suite Gilbert Montagnier. Bonjour Gilbert. Qui vient aussi parce que la justice, c'est une chose, la chanson, c'en est une autre. Il vient aussi avec un album qui s'appelle Get Ready. Yes, sir. Alors, comment vous allez? Bonne année, tout le monde. Bonne année! Bah, oui, j'aurais pas dit. Vous avez raison. Bah, et puisque vous chantez en anglais quasiment sur tout l'album, vous pouvez même dire Michelin. Oui. Goodyear, plutôt, je veux dire. Alors, bah oui. Alors, pour revenir au procès que vous évoquiez... Il y a Christine qui est encore au premier jeu de mots de l'émission. Elle est là, elle est larguée totale. Non, mais Good Year, ça se dit pas. Comment ça? On dit Happy New Year. On va pas faire un procès d'attention. Oui, que je vous explique, il n'y a pas de pneu qui s'appelle Happy New Year. C'est vrai aussi. C'est mieux que Happy New Schlin. Il y avait le Pierre Bénichou, je ne l'avais pas vu dès le départ. Comment tu vas? Comment ça va? Ça va bien. Ah, bah c'est super. Et pour tout vous dire, donc le procès a duré 10 ans et ça, c'est vraiment une galère parce que ça coûte très cher et c'est un poids moral terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut que vous m'expliquiez bien ce qui s'est passé parce que j'ai cru comprendre que Didier Barbelivien et vous aviez cédé, on va dire, à une société, c'est bien ça, le droit d'utiliser cette chanson et d'autres, certainement, oui, pour différentes... on va dire, différents produits dérivés. Non, en 80, quand on signe un contrat d'édition... l'éditeur peut faire ce qu'il veut avec l'œuvre, c'est-à-dire le mettre en pub, le mettre en boîte, le mettre en... Bon. Donc nous, à l'époque, on n'a pas vraiment fait gaffe. Et effectivement, on a appris que On va s'aimer était une pub pour Flunch. Donc nous, on n'a pas du tout été d'accord avec ça. Et on a ramé pendant 10 ans. On est allé une fois donc, en procès, en appel, en cassation. On avait gagné la première cassation. Eux, ils ont fait appel. On nous avait donné tort après la première cassation. On s'est battu jusqu'au bout. Et la deuxième cassation, eh bien là, on a gagné. Et donc, parce que si ça avait été, il aurait fallu qu'ils vous payent pour ça. Non, mais qui nous paye? Qui nous paye? Ils nous ont payé les droits normaux, les droits d'auteur. Mais nous, on voulait pas de toute façon que cette chanson. Si ça avait été, par exemple, Laurent Roquet, on va essayer. Là, on aurait dit bah oui. Ah, d'accord. Là. Surtout si ça avait été l'indicatif journalier, ça nous aurait fait voilà. Et voilà. Et que je vous avais donné un bon chèque pour ça. En plus. Là, on n'aurait rien dit. Pierre Bénichou. Oui. Moi, je suis ravi que des artistes gagnent contre une chaîne de restaurants. Et je trouve que c'est très bien, et je suis pour la propriété intellectuelle, qu'elle est inaliénable, tout ça. Mais seulement, vous aviez touché de l'argent pour ça. Alors maintenant, on leur dit, vous n'avez plus le droit de, non, de non, faire, non, de vous traiter d'argent. Alors, est-ce que vous rendez l'argent? C'est pas ça. On a touché nos droits normaux, nos droits d'auteur, mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'auteur et le compositeur aient leur mot final à l'utilisation de leur œuvre. C'est ça le droit moral, c'est ça vraiment le droit final. Il a complètement raison parce que, vous avez complètement raison parce que qu'est-ce qui se passe très souvent? Bon, eux, ils étaient adultes, vaccinés, majeurs et normalement au courant, malgré le fait qu'il y a un journal qui a dit que vous n'avez pas vu de très près, vous n'avez pas regardé de très près le contrat. Attendez, c'est Barbelivien, principal responsable dans l'histoire, parce que Gilbert n'ait pas bien lu le contrat. On peut comprendre. Voilà. Allez, oublions la justice et parlons plutôt des chansons de Gilbert Montagnier. Roger, vous avez écouté l'album? Ouais, c'est de la balle. C'est de la balle. Non, c'est vraiment je suis ravi d'avoir fait, en tout cas. Un très bel album. Il ne faut pas oublier que Gilbert Montagnier est assurément la plus belle voix de la chanson française. Ah oui? Et il ne chante pas avec une voix sur cet album, il chante avec autant de voix qu'il y a de morceaux dans l'album. Avec vous n'êtes pas là qu'on ne reconnaît pas forcément d'un morceau à l'autre. Exactement. Et ça, c'est prodigieux. Christine. Mais moi, j'ai vachement aimé. En fait, c'est comme une compile des tubes qu'on a adorés pendant... Enfin, moi, j'ai déjà 50 ans, donc si vous voulez... Non, vous les faites pas, vous les faites pas. Ça, vous les faites pas. Ah, ben, c'est tout... Mais j'aime bien me voir dans kilos, son regard. C'est des années, qu'est-ce que je veux dire? Ma question, c'est est-ce que vous avez demandé au créateur de toutes ces chansons-là l'autorisation pour chanter, ou est-ce qu'on peut piquer comme ça dans le patrimoine sans avoir de compte à rendre à personne? Mais je ne dénature pas. Je ne change pas un mot. Non, mais c'est ça, l'histoire. Tant qu'on ne dénature pas une œuvre, même sur aucune note ni aucun mot, il n'y a aucun problème. Isabelle Alonso. Alors, moi, évidemment, j'adore toutes ces chansons parce qu'elles font aussi partie de mon patrimoine personnel.
vous avez eu le... C'est une certaine forme d'audace que d'adapter des chansons qui ont été très chantées par beaucoup de gens, y compris, pour certaines d'entre elles, par Claude François. Et ce que vous pouvez vous permettre de le chanter parce que vous avez une voix exceptionnelle, mais j'ai un petit peu déploré que vous n'ayez pas davantage modifié les chansons. Par exemple, quand Yuri Buenaventura chante « Ne me quitte pas » de Jacques Brel en faisant une salsa, on se dit « Putain, ça fait découvrir la chanson sous un autre angle. » Alors que là, j'ai l'impression d'être un petit peu dans une interprétation qui ressemble beaucoup à l'interprétation d'origine, et pour vous tout vous dire, j'ai un petit peu regretté ça. Ben Isabelle, c'est bien de me le dire, mais moi je voulais pas changer justement, parce que c'est trop bien pour me permettre, moi, de changer quoi que ce soit dans ces mélodies. Quand vous avez I've heard it through the grapevine, ou alors My girl talking about my girl. Comment pourrais-je oser changer quoi que ce soit là-dedans? C'est trop beau. Deux tests s'affrontent là-dessus. C'est l'éternel débat. Pierre, je peux vous dire, attends, je trouve ce que vient de dire notre amie Isabelle plein de sincérité. Moi, c'est tout à fait le contraire. Mais oui, ça, c'est un débat éternel. Débat éternel, parce que moi, je n'aime que les trucs qui parlent à ma mémoire. Une partition de musique classique, on ne la modifie pas tant que ça. Alors que Mozart est quand même nettement moins chiant que Barbe Olivien. On embrasse. Perry Cochin. Alors moi, j'aime beaucoup ce que vous avez fait. Je trouve que c'est complètement dans l'air du temps. J'avais envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Allez-y. Je voulais savoir d'abord, est-ce que votre cécité est de naissance ou vous l'avez eue suite à un accident ou une maladie? Alors, je vais répondre en deux volets. Non, ma cécité, c'est un coup de pub qui marche depuis 40 ans. Mais je vois comme vous et moi. C'est comme un mandalire. La vraie réponse, c'est que je suis aveugle de naissance. De naissance. Alors, je voulais savoir si cet handicap... vous a posé des problèmes à un certain moment. Est-ce que vous vous êtes dit, ça va m'empêcher de mener une vie dite quasi normale, parce qu'au final, vous avez une vie quasi normale? Non, exceptionnelle. Il a une vie plus que normale. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que je suis un peu marginal peut-être là-dedans, c'est que j'ai vraiment, et c'est pas des conneries, putain, j'ai jamais considéré le fait que je voyais pas avec les yeux comme un handicap. Pour moi, je voyais différemment. Dans le quartier à Ménilmontant, j'étais le petit qui voit pas clair. Tu sais, dans la rue, quand je marchais avec ma canne. Ah, voilà le petit qui voit pas clair. Mais ça me gênait pas du tout. C'était pas un problème, ça. J'ai appris qu'il fallait comprendre les gens pour qu'eux-mêmes, ils me comprennent mieux. Et en fait, l'important, c'est... La vision, elle est pas... La vraie vision, d'après moi, la vraie vision, elle est spirituelle avant qu'elle atteigne les yeux. Je pense que c'est ça. Mais quand est-ce que vous allez faire un disque pour les sourds? Bien sûr, Christophe. Tubac Montagny. Alors, on peut le faire avec l'accent, puisqu'effectivement, ce sont des grands standards américains. Je vais signaler que vous serez sur scène le 12 janvier au Kremlin Bicêtre et le 21 janvier à Los Angeles. Ah non. Non. Les angles, non. Pardon. J'ai vu les angles, j'ai cru que c'était Los Angeles. C'est où ça, les angles? À côté d'Avignon. Voilà, à côté d'Avignon. Je vais vous présenter maintenant Jérôme Bonaldi. Pour faire plaisir à notre ministre de l'Éducation, un petit peu de maths. Petit cours de maths pour tout le monde. Ben voilà, tiens. Rappel, on va faire les puissances de 10 aujourd'hui. Le calcul mental, on le fera un autre jour. Une unité, par exemple, 1 gramme, c'est 1, d'accord? Ah oui. Quand il y a 1000 grammes, on dit 1 kilo. Kilo. Bravo, kilogramme. Voilà. Mais quand il y a 1000 fois 1000, 1 million. Bravo. On continue le petit cours. Quand il y a 1000 fois 1000, on dit 1 million, mais aussi on dit un... Méga. Comme mégawatt. Ouais, bravo, c'est dans le langage courant. Mais quand il y a 1000 millions... Un giga. Un milliard, et ça s'appelle aussi un giga. Et gigawatt, c'est dans le langage courant. Tout le monde, on entend ou on lit ça ou on parle de ça. Le problème, c'est quand il y a 1000 milliards. 1000 milliards. Octets. Non. Ah bon, on est à giga. On est à 10 avec 12 zéros derrière. On dit un tera. Un tera. Alors, un tera. Un tera favorable. Oui. Je suis heureux de vous présenter un disque dur. Un disque dur d'ordinateur, une mémoire d'ordinateur. Oui. Tenez, regardez ça. Là-dedans, il y a un teraoctet. D'accord. Il y a 1000 milliards d'octets, 1000 milliards de caractères. C'est lourd. Hein. Là-dedans, il y a une. Il y a 100... Attends, c'est rien du tout. Ça coûte 500 euros. Je voudrais vous montrer le fait que la mémoire d'ordinateur coûte de moins en moins cher. Et est de plus en plus petite. Tenez, tenez-moi ça, vous touchez ça. Ah, bah c'est moins lourd ça déjà. Vous connaissez?
c'est le disque dur de votre ordinateur. Voilà, regardez, ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une clé USB. Ouais. Eh ben non, voilà. C'est un briquet. Eh ben, là aussi, c'est un disque dur. Dedans, il y a 10 gigaoctets. Ça tient, comme une... c'est plus petit qu'une boîte d'allumettes. C'est génial, ça. Eh bien, merci pour ce cours de mathématiques, Jérôme Bonaldi. L'album, nouvel album de Gilbert Montagnier avec 14 chansons, des standards, les chansons que vous aimez, les chansons qu'il aime. Gilbert, je suis sûr que vous êtes quand même capable de jouer avec nous au... Pas vu, pas pris ? Non. Non. Qui a vu qui ? Qui a vu quoi ? Mais si. Alors évidemment, on va vous montrer des photos, mais je suis sûr qu'avec, comme vous avez un esprit de déduction formidable, comme mes petits camarades vont évidemment essayer d'avancer pour trouver les réponses, je suis sûr que vous pouvez quand même trouver la bonne réponse dans notre jeu. Première photo, allez, je vais pas aller jusqu'à vous demander son nom, mais sa fonction. Il n'est pas français. Il n'est pas français. Voilà. Il est européen. Chinois. Il est européen. Il est tout seul sur la photo. Il est tout seul sur la photo. Chef d'un parti ? D'un parti, non, mais c'est de la politique. Il est à l'ONU ? En Italie ? Non. Je vais vous aider, il était en visite hier et aujourd'hui à Paris. Effectivement. C'est un rapport avec le Vatican ? Pas le Vatican. L'Espagne ? Encore que indirectement, ça a un rapport avec le Vatican parce qu'il est... Il est curé italien. Non. C'est le fameux curé. Il n'est pas italien. Il n'est pas italien, le pape, le chache. Il n'est pas polonais. Il est autrichien. Alors attendez, on avance. Il est allemand et vous... Est-ce qu'il est maire d'une ville? Bravo, Gilbert, il est maire d'une ville. La ville où est né le pape. Non. Berlin. Maire de Berlin, excellente réponse de Gilbert Montagnier, vous voyez. Le maire de Berlin qui était en visite à Paris aujourd'hui. C'est vous qui avez gagné 500 points. Ah bah oui. Alors à qui vous les donnez? Ah bah je les donne, tiens, je les donne au Pierre là-bas. Pierre Bénichou. Oh, merci. 500 points pour vous. Formidable. Autre photo. Ah, là aussi on voit un monsieur dans l'actualité en ce moment. On parle beaucoup de lui et c'est surtout lui qui parle pas mal. T'es un sportif? Oui, c'est un rapport avec... Lui, il est pas sportif maintenant, mais en tout cas, ça a un gros rapport avec le sport. Il est entraîneur? Pas entraîneur. C'est un ancien drogué? C'est le nouveau gourou de l'équipe de je sais pas quoi? Pas du tout. Cycliste? C'est un ancien coureur? C'est un rapport avec le rugby? C'est un ancien motard. Ah, un ancien motard du Dakar. Il est mort. Il est bien vivant. Il est mort. Le soleil. Roger Zabel, journaliste sportif. Roger Zabel. Oui. Dis-nous, Roger. Bah oui, je sais qu'il a couru le Dakar, mais. C'est quoi, son nom ou la marque de sa moto? C'est son nom que vous voulez? Ah bah son nom, je peux vous le donner si vous voulez, parce que franchement, vous avez l'air tellement nul que. Dans le Dakar. Allez, je mets à 2000 points pour vous. Franchement, maintenant. 2000. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas. Ah, c'est pas. Oui, c'est vrai, c'est pas très clair. Il veut le nom du. Non, le nom, ça, je peux vous le donner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est directeur de la course. C'est le directeur de la course. Bonne réponse de Roger Zabel. Ah, dis donc. Ça a certainement changé. Voilà. Savez, il change tous les ans, le directeur. Photo suivante. Ah, alors là, attention. Ah, ça, je sais qui c'est. Non seulement il faut trouver qui c'est, mais il faut dire qu'est-ce qui lui arrive. Eh ben, moi, je peux vous le dire. Combien de points? Combien de points? Allez, je vous accorde 500 points. Ah non, non. Oh ben non. T'as la réponse? Ah non, non, non. Mais à 1000 points, je vous donne tout. Non, elle n'est pas ministre de quoi que ce soit. C'est une ancienne sportive. C'est une sportive. Allez, 1000 points. Alors, Isabelle Blanc qui va se présenter aux législatives sous l'étiquette UMP. Excellente réponse de Roger Zabel. Photo suivante. Alors là, Gilbert, on voit en fait un bandeau noir sur un œil. C'est un borgne. Oui, bravo Christine. Eh bien non, justement. C'est une vieille photo. C'est quelqu'un dont on a beaucoup parlé cette semaine et je suis sûr que Gilbert Montagnier l'adore. Alors là. Donc c'est un chanteur. Donc, il a un chanteur. Il a rien à l'œil. C'est un français? Il a quelque chose à l'œil, mais... Français? Français, non. Elton John? Non. Oh, franchement. Bob Dylan? Qui a... Écoutez, parmi les stars de la pop et du rock, qui a quelque chose à un œil? David Bowie, excellente réponse. Péri Cochard. J'aurais encore appris quelque chose ici. David Bowie qui fêtait ses 60 ans cette semaine. Là, c'est sur un spectacle. Sur scène, il avait mis exprès un bandeau sur son œil. Il a un œil véron. Ça veut dire un œil d'une couleur différente que l'autre. Vous n'avez pas marqué dans ce truc. Écoutez, je vais vous dire, vous avez quand même, et ça, c'est quand même un scoop. Oui. Trouvez une bonne réponse, Gilbert Montagnier, au qui a vu qui a vu quoi. Bravo, Gilbert. Get ready pour le nouvel album de Gilbert Montagnier. Allez, on va flancher. Qu'est-ce que je raconte? Ah non, ah non. À demain, bye bye. Merci Gilbert.